place à de nouvelles générations. Alors notre correspondant dans le Jura n'était pas si sûr que la promesse tiendrait. Mais c'est quand même ça, une telle journée. Hein. Il y a des gens qui triomphent et puis il y en a d'autres qui doivent prendre la porte parce qu'on les a refusés. Merci beaucoup Alain pour ces moments forts et puis merci d'avoir été fidèle au poste tout au long de la journée. Vous nous avez aidé à comprendre ce qui s'est joué dans les urnes aujourd'hui. Merci infiniment. Nous sommes arrivés au terme de cette journée électorale du 18 octobre 2015. Je vous rappelle quand même l'information essentielle de cette journée. La droite progresse, UDC en tête, le PLR également. Le centre se tasse et puis l'écologie politique vert libéraux essuie un revers au Conseil national. Merci à toutes celles et ceux, et ils sont très nombreux, qui ont rendu cette émission possible. Nos équipes ici à Genève, mais aussi dans les cantons romands, en Suisse alémanique, au Tessin, et bien sûr à Berne, au Palais fédéral. Émission produite par Alain Hertig et Juliane Nicole Kay, conduite depuis midi en régie par Amélie Boguet. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos prochains rendez-vous avec l'information sur RTS Info, bien sûr. Et puis demain, le journal du matin sur la première. À voir dès 7h également sur RTS 1. Et puis le journal de 12h45 sur RTS 1. Et puis d'ici là, eh bien, l'aventure continue sur la RTS. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre film, un classique, Retour vers le futur 1. Passez donc une excellente soirée sur la RTS. Merci de votre fidélité et à très bientôt.